Alors, comme c'est l'heure de presse, Daily Press Briefing du National Communication Committee sur le COVID-19, ils ont dit nous continuer de toutes les informations qui les concernent local, international, leur COVID-19. Alors, moi, pour commencer par dire au niveau international, nous finissons déjà dépasse la barre de 2 402 000 562 cas. Alors, moi, nous pouvons trouver que tous les jours, au niveau international, ben, le cas peut continuer à augmenter. Et le décès, ça aussi, a augmenté, qui a été, nous finissons trouver qu'il entier le monde, il y a plus que 165 000 personnes finissent décédées. Et là-dedans, l'Amérique, qui n'a plus beaucoup de monde qui est affecté par COVID-19, c'est-à-dire qui jusqu'à aujourd'hui, nous fin gain 764 265. Alors là aussi, l'Amérique, ben cap est toujours augmenté et décès dans l'Amérique, il dépasse 40 000. Ça veut dire aujourd'hui, nous avons 40 565 cas de décès dans l'Amérique. Maintenant, à Maurice, le nombre de cas, il reste pareil comme hier, docteur Dumas a annoncé que le nombre est 328. Exodus aussi, nous encore reste dans ce nombre-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Alors, le tout ben test qu'il nous faut faire jusqu'à ce qu'il commence à tester COVID, c'est les relève à 11 300 tests qu'il nous faut faire pour ben Dimoun, qui finit venir dans différentes places, dans flou clinique, dans contact tracing, qui n'admettent dans l'hôpital. Tout ça là, jusqu'à aujourd'hui, nous ben tis, nous arrivons là 11 300 N. Maintenant, le décès finit reste pareil. Il y a toujours 9 décès qui nous finissent enregistrés à Maurice. Et aujourd'hui, tout ben tis qui finit faire, nous finissons pas finir recevoir aucun cas positif. Alors, tout ben tis qui finit faire jusqu'à l'heure, les ben tis négatifs. Maintenant, ben guérison. À ces jours, nous finissons gain 224 d'immunes qui t'admettent, patients qui t'admettent dans différents centres. Je ne finis gain deux choses, je ne finis à la case qui nous finissent considérer comme ben d'immunes qui ne finissent guéri. Et le nombre disposé ben d'immunes qui finissent gain deux choses, c'est les 16. Alors, quand nous guettons, quelle quantité de cas nous ayons en tout, ben cas actifs, ligne baissée, ligne vine 92. Alors, nous avons 92 cas actifs qui ont dit qu'ils sont encore dans nos différents centres de traitement que nous avons gagné traitement. Nous, ici, au ministère de la Santé, dans tout nos l'hôpital, tout, nous pouvons continuer à suivre la situation de près, nous pouvons continuer à faire tout ce qui est besoin et nous pouvons continuer à tester ce qui est besoin de faire. Ben tester, peut faire dans tout ben flou clinique. Alors maintenant, tout ben dimoun qui peut venir dans ben flou clinique, dans l'hôpital, il y a une place qui nous fait qui dimoun qui gagne la fièvre, il y a directement là-bas. Tout ça ben dimoun qui est là-bas, là, nous fait ce test. En même temps, ça ben test là, au laboratoire. Il est là pour nous connaître est-ce qu'ils étaient dans flou, étaient dans COVID-19 ou pas. Ça ben test là peut faire systématiquement avec tout ben dimoun. Nous ben test les continuer puis augmenter qui à ce jour nous capable dire nous capable faire presque 600 tests par jour et tout ben test qui peut finir traiter même jour nous peut finir un résultat s'il n'est pas tard dans la nuit le lendemain matin nous peut finir comme tout ben résultat. Alors là nous aussi dire que dans nos ben centres nous avons un patient qui est au ventilateur et que ce patient là ce cas l'ICI. Nous pouvons encore guetter, nous pouvons faire tout, nous avons des médecins qui travaillent pour faire tout, pour guetter comment nous sommes capables d'améliorer la santé. Et aussi, ben, les autres patients qui nous ont, veut dire dans tous ces ben, patients qui nous ont dans ben, différents centres, tous la santé stable, et nous pensons doucement, doucement, ben, là aussi, à mesure qu'ils nous gagnent d'autres bénéfices, ben, là aussi, pour commencer à la case. Un petit peu d'information, là, nous avons des patients qui nous ont dans ben, différents centres. C'est qui à INT, nous avons 23 patients. L'hôpital Suyac, nous avons 7 patients. Pointe-au-Piment, nous avons seulement 3 patients. Dans l'hôtel Victoria, qui nous garde des patients qui ont ben moins de symptômes là-bas, diminué, nous avons seulement 51 patients.
Dans l'hôtel Cajou Arena aussi, nous avons un patient qui maintenant n'a pas personne là-bas. Et qu'à l'Odine sur mer, nous avons seulement 8 patients. Alors, tout ça là, c'est un patient dans un différent centre et un centre de quarantaine. Que nous avons 3 centres. Dans ce centre là, nous avons 14 passagers et 208 staff ministère de la Santé. Comme nous tous, vous tout connaissez. Qui ben staff quand je travaille avec ben patient COVID pendant une semaine que je travaille 24/7. Les là après une semaine nous envoie dans un centre là-bas ça permet de reposer aussi et en même temps permet de guider la santé nous faire ben test au début quand je rentre et puis nous faire ben test après une semaine comme ça nous pour finir connaître parce que quand même ben là c'est ben front des autres ben dimon qui travaille sur le front je reste en contact avec ben patient nous finir connaître la santé. Voilà un peu tout ben information qui nous a pour donner aujourd'hui, c'est-à-dire en résumé, c'est nous reste nous même quantité cas, c'est-à-dire 328 cas et jusqu'à maintenant nous pas fin détecter aucun dimon qui finit avec COVID-19. Et maintenant nous passe à tout ben une question de la presse, ben une question qui finit envoyer nous. Alors, moi, pour commencer par première question et qui est envoyée par Waza FM. Alors, quel dispositif les autorités se préparent-elles à mettre en place pour la réouverture des écoles et comme les enfants seront encadrés et protégés? Alors, Libon m'a fait ressortir ici que le premier ministre finit déjà set-up ben, différents comités. Les concernent l'éducation, les concernent ben secteur qui pour le travail, les concernent le transport, il y a même différents comités qui peuvent travailler là. Et puis les autres, même le premier ministre fin préside un comité que tout ça là peut étudier. Et bien sûr, à mesure quand le comité finit soumettre son rapport et finit prendre une décision, tout ça là, le premier ministre peut venir pour communiquer ça avec eux tout. Une deuxième question de l'Express. Est-ce que Maurice fera confiance au COVID Organics développé à Madagascar? Les autorités ont-elles déjà approché la Grande Île pour une commande de ce remède qui, selon le président malgache, a guéri les malades du COVID-19 à Madagascar? Alors, Madagascar, c'est un pays ami à côté de nous, côté lui aussi, les fingers ben car COVID. Et lui, et sa pays-là, de sa capacité cliente, l'IP trouve un remède. Alors, COVID Organics, c'est une plante qui peut utiliser pour traiter ben d'immun. Mais c'est moi, nous vous a donné un peu les temps. Nous vous a guetté. Qui manière, de quelle façon ça va un traitement à faire. Nous, si Maurice, nous peut suivre un protocole international que nous peut donner un traitement. Mais c'est sûr, vu que Madagascar peut développer un traitement, laisse-le prendre sur les temps. Là, nous pouvons capables de dire est-ce qu'il nous peut servir ça à Maurice. Alors, l'Express est une autre question encore. Lors du dernier press briefing, le gouvernement a fait ressortir que 10 894 personnes, environ une personne de la population, a été soumise au test. 1% de la population. Est-ce qu'il aura un nombre ou un pourcentage de tests à effectuer avant le processus de confinement progressif ou non progressif? Voilà. Alors, c'est tout. C'est bien. Alors, quand nous finissons déjà faire un pourcentage de tests, quand on parle déjà aujourd'hui, nous dépassons la barre de 11 000 tests, c'est tout à fait normal que le gouvernement ait déjà un programme comment pour faire plus beaucoup de tests et surtout comment pour cibler ben tests, pour moi, pour target ben tests, ben différents, pour ben différents groupes, différents immunes. Alors, tout cela, c'est un travail qu'il peut faire. Dans les jours qui peuvent venir, nous pouvons annoncer comment nous pouvons faire ça ben test là. Maintenant, une question du le Mauricien. Est-ce qu'il fin connaît comment sa madame qui fin testé positif samedi, la fin attrape virus là? Est-ce qu'il ça pas démontré qu'il est capable d'avoir encore un cas isolé un peu partout dans Maurice? Alors, Libon, ici, me dit un petit détail. Alors, comment madame là fin attrape virus là? Alors, ce qui nous fin connaît quand nous fin testé, quand madame Tialdan flux clinique dans l'hôpital intestinal positif, c'est le contact tracing, il fait ce travail, il approche la famille pour demander que madame là t'y aller. Là-dedans, nous trouvons qu'il y a dans un supermarché et puis il y a une famille, il y a un peu ben différent l'espace.
Il est très difficile pour dire comment les fins attrapent ça, mais nous sommes capables de dire les capables font gagner ça n'importe que de ça. Alors, plus important dans tout ça là, c'est que nous respectons le confinement. Parce que si vous faites confinement, si vous faites garde social distancing, si vous pouvez prendre tout bien mesure ce que l'autorité fait dire, c'est tout à fait normal, ou pas pour gagner un virus là. Mais si vous pas pour respecter tout ça, quand vous pouvez aller les autres places, vous pouvez gagner un virus là. Alors là, c'est encore une fois une question qui dit ben Mauricien, bien respecter le confinement jusqu'à ce que le gouvernement finisse sa date de confinement là. Et puis, bien sûr, pour une bonne décision qui peut venir après, les là, nous continuons à d'après bonne décision là. Alors, l'autre question, c'est de Inside News. En France, il y a des traces infimes du corona dans l'eau non potable. Est-ce qu'il ou il y a plus d'informations si cela peut être contaminé de l'eau chez nous aussi? Alors, Lydia O, ici, qui est en France, il y a un peu de traces dans ben de l'eau non potable. Alors, si nous bien connaissons de l'eau non potable, comment nous utilisons? Alors, si nous avons une trace de ce virus-là, ben, nous, à Maurice, nous n'avons pas fait aucune étude pour nous guider ça, et nous pensons que ce qui nous faisait faire, nous ne nous connaissons qui de l'eau nous peut servir. Tant qu'il nous peut servir de l'eau qui est potable, et qui nous connaît qui de l'eau nous peut boire, nous pouvons respecter tout ça, ben, consigne-là. Alors, si même s'il est présent en mini-quantité minime dans de l'eau, ce qui nous connaît en France jusqu'à l'air, mais bon, à Maurice, nous sommes capables toujours. Il n'y a pas une affaire qui l'OMS peut dire qui est naïve. Et puis, s'il est présent dans de l'eau, il peut transmettre, il peut contaminer du monde. Mais c'est une question qui nous apprend, qui nous a guetté. Après, nous sommes capables de décider. Mais pour l'heure, nous sommes capables de dire que le virus, il est clair, il transmet pas tout ce qui peut nous causer, ça va une petite salive qui nous émet là, droplet, ce qu'ils nous appellent lit. Ah ben nous besoin plus concentrer nos efforts, l'eau ça va une petite chose là, avec sa distanciation qui nous besoin faire là. Alors, question de MBC. Combien de soignants positifs, médecins, infirmiers, personnel paramédical sont-ils toujours hospitalisés et combien d'autres sont en quarantaine? Alors, il y a une dizaine de patients médicaux qui sont toujours hospitalisés. Si je ne me trompe pas, il y a une partie qui gagne des sources aujourd'hui même. Et aussi, ben infirmier, ben staff qui est dans ben centre, ça les remonte à 208. Alors, 208 staff qui sont dans ben centre de quarantaine, qui ont la santé bien. Et puis, ben nombre de guéris, tout ben staff est déjà guéri et à mes yeux, peut faire des tests, peut la case. Alors, Inside News encore, nous avons une question. À ce jour, combien patients fin guéris, fin d'accord pour faire dons de 10 ans en ce qui concerne le plasma phérèse? Alors, nous déjà fin gagné plusieurs patients qui fin guéris, environ une quarantaine, qui fin d'accord pour de 10 ans, les avenir, les là, nous pour approcher pour 10 ans. Mais jusqu'à l'air, c'est non. 4 patients qui nous ont déjà donné 10 ans que nous avons servi pour le traitement de plasma phérèse. Alors, une dernière question de Ion News. Si mass testing n'est pas à l'agenda, est-ce qu'ils envisagent faire random testing? Par exemple, dans certaines entreprises, que beaucoup de gens peuvent travailler ou dans certaines localités. Alors, oui. Alors, nous avons déjà fini penser. Alors, le jour où nous pouvons avoir un test qui peut venir bientôt, alors, ça, ben, Tesla nous peut servir pour faire, nous peut cibler. Par exemple, ben, la police, ben, frontliners, ben, tout ben, personnel de la santé, ben, du monde qui reste de home, ben, du monde, ben, travailleurs étrangers qui se pressent dans une localité. Alors, nous pour donner priorité, nous pour faire ça, ben, Tesla pour tout ça, ben, du monde là. Comme ça, nous aussi, nous pouvons avoir une meilleure idée, nous pour connaître comment pour avancer. Et voilà un peu tout ce qui nous est là pour dire aujourd'hui. Merci pour votre attention et bonne soirée. Voilà, donc c'était le docteur Kailash Jagatpal, le ministre de la Santé, qui fait le point de communication du gouvernement cet après-midi. Donc, aucun cas de COVID-19 détecté aujourd'hui. À ce jour, nous avons 224 personnes qui finissent guéries et nous avons 92 cas actifs et 9 décès.
Donc, les pères rappellent que tout le monde qui parle dans flou clinique avec la fièvre peut subir un dépistage. Il peut dire aussi qu'il y a presque 600 tests qu'il n'a pas fait par jour, qu'il y a toujours un patient qui est sous ventilation et il y a un cas sérieux. Tous les autres patients sont stables. Il peut dire aussi que dans l'hôpital INT, il y en a 23. Dimoun, dans l'hôpital Suyac 7, à Pointe-au-Piment, il y en a 3. Dans l'hôtel Victoria, il y en a 51. Dans Casuarina, dans le Nord, Pena PSN. Et dans Calodine-sur-Mer, il y en a 8. Mais aussi dans ma centre de quarantaine, il y en a 3 qui sont opérationnels. Donc, il y en a 14 passagers. Donc, c'est les Dimoun qui sont sortis de l'étranger, qui viennent de Maurice, avant le confinement. Et il y en a 208 membres du staff du ministère de la Santé. Donc, à ce jour, le ministère fait 11 300 tests. Donc, le ministre de la Santé peut dire que le Premier ministre fait présider un comité aujourd'hui. Donc, il peut étudier une recommandation de un sous-comité par rapport à une stratégie de déconfinement. Donc, à une question, est-ce que Maurice peut servir remède qui Madagascar fait gagner, donc le COVID organique. Donc, le ministre de la Santé dit bizarre donne les temps, nous avons été qui peut dérouler, qui peut passer là-bas, parce qu'il à Maurice, nous peut servir un protocole international. Donc, nous rappelle par rapport à sa remède malgache, sa médicament, donc il finit présenté aujourd'hui par le président Rajoelina. Donc, c'est un médicament qui est à base d'Artemisia. Donc, comme on fait dire, le ministre Jakarpal finit dire qu'il besoin donne les temps pour que ce médicament-là fasse ses preuves avant de nous utiliser l'oban patient à Maurice. Par rapport à la dame qui finit tester positif samedi, donc l'itial flou clinique, Cotine Desselet, sur le fait qu'il y a coronavirus, puis dit aussi que grâce à contact tracing, il y a 3 dimoun dans sa famille aussi qui finissent testés positifs. Donc, mais seulement l'enquête n'est pas capable de dire avec précision quand il gagne sa maladie-là. Donc, difficile de dire quand il gagne ça. Donc, Miss Jagapal finit dire et lui montrer qu'il est très important pour respecter le confinement à la lettre. Donc, il y a une question de la presse concernant le coronavirus dans de l'eau. Donc, comment on connaît, la France vient de détecter du coronavirus. Donc, est-ce qu'il y en a ça à Maurice, le ministère qui, pour l'heure, donc, qui n'est pas qu'à prononcer l'eau-là, mais ce qu'il nous connaît à Maurice, c'est que le virus se transmet par une gouttelette. Et puis aussi, finalement, une question de la presse par rapport au nombre de personnes du corps médical qui ne contaminent en ce moment. Donc, il y a une dizaine de patients du corps médical qui peut traiter. Là aussi, le docteur Jagatpal finit dire qu'il y pensait, selon lui, qu'il va la finir sur Tizodi. Finalement, il y a aussi une question le don de sang pour faire la plasmaférèse. Donc, nous connaissons qui plasmaférèse, puis c'est Vili pour un patient qui est très atteint. Et donc, il peut gagner ça dans 10 ans, un patient qui finit guéri de ça. Donc, il y en a 4 d'immunes qui finit déjà dans 10 ans, et il y en a une quarantaine d'immunes qui guérit du coronavirus qui est disposé pour donner 10 ans. Donc, le ministre de la Santé aussi fait une importante précision. Donc, pour le mass testing, il dit priorité peut être donnée à ban frontliners, ban vieilles personnes et ban d'immunes dans homes. Donc, me rappelle qui aujourd'hui pas fini n'a aucun cas de COVID-19. Fini n'a 224 d'immunes qui finissent guéris et n'a 92 cas actifs à Maurice et que, comme on connaît, fini n'a 9 décès du COVID-19. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci au fin avec nous. Donc, merci à Norcha et à Roy qui est à la technique et à la régie. La suite du programme. Radio. Ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nul, recommande-nous, reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre COVID-19, c'est nul et ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble,
à nous prothèse, nous l'île Maurice. Reste la case. Les journaux du Défi Média Group en e-paper, en vente à 10 roubis l'exemplaire. Pas nécessaire sur Tigotou, dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roubis l'exemplaire. Bright Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Bright Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tout travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Bright Group of Companies. L'équipe d'Eli & Son se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Depuis le début de la crise du Covid-19 à Maurice, toutes les équipes à Welkin se sont mobilisées pour assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel soignant. Nous avons mis en place des protocoles spécifiques pour réorganiser le parcours des soins. Nous procédons à un contrôle systématique de toute personne entrant dans l'hôpital, que ce soit pour une simple consultation médicale ou pour une admission. Ce contrôle s'applique également à notre personnel médical et non médical et consiste en premièrement, une désinfection des mains, deuxièmement, une prise de la température et troisièmement, la mise à disposition et le port obligatoire du masque. Pour tout individu se présentant aux urgences, le dépistage se fait dans une structure externe à l'hôpital, spécialement créée pour lutter contre la propagation du Covid-19. Au sein de cette structure, vous serez pris en charge par notre personnel médical qui dispose de tous les équipements nécessaires pour identifier les cas suspects de Covid-19. Tout cas suspect est immédiatement isolé et pris en charge selon le protocole Covid-19. Pour tout autre patient, une fois ce dépistage effectué, vous serez redirigé vers les équipes appropriées et pris en charge selon vos besoins. Au-delà de ça, nous mettons tout en œuvre au sein de l'établissement pour assurer la santé de tout un chacun. Les espaces sont régulièrement désinfectés et les règles de précaution, dont le social distancing, respectées. Nos équipes ont été formées pour faire face à cette pandémie et garantir la meilleure qualité de soins possible. Nous comptons sur votre coopération pour lutter ensemble contre la propagation du virus. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, vos actions peuvent sauver des vies.